à tous, c'est Pascal. Bienvenue sur cette vidéo numéro 5 du Multibot nouvelle version. Donc nous allons continuer notre petite expérience. Alors là, bien sûr, vous avez vu sur la méthode numéro 4, je prends quand même des risques, hein. Mais c'est pour vous prouver que le système fonctionne très bien. Je prends des risques dans le sens où hier j'ai demandé 2 euros minimum et on a eu beaucoup de mises puisqu'on a, on a eu les deux méthodes qui sont parties au 7e 8e tour. Donc automatiquement le tapis avait bien du mal à suivre les mises puisque on jouait avec des 10 centimes et qu'on commence à mettre 50 centimes d'un côté et 80 centimes de l'autre. Il faut qu'ils mettent 13 pièces hein, puisque les deux méthodes sont indépendantes. Donc il fait 13 fois le tour en fait. Le tapis, on n'a pas beaucoup de temps pour jouer, le tapis a bien du mal à suivre. Bon, on aurait des mises de 50 centimes, le problème ne se poserait pas pour jouer même les trois méthodes. Voilà, donc nous voici sur les lieux du crime. Voilà, donc on part. Bonsoir, bonsoir. Pascal, Las Vegas. Bon, là, ils nous foutent des échos. Qu'est-ce qui se passe chez eux encore? Bon, je vais lui couper un petit peu le sifflet parce que voilà, j'ai pas de fenêtre d'ouverte pourtant. Ils ont encore des soucis, je crois bien. Bon, Dana, il est quoi? 21h35. Dana, t'es sur la voilà, V2, tiens, pourquoi pas, il y a deux méthodes pour elle. Voilà, et on va partir sur. Sur l'ADR, tiens, sur l'ADR. L'ADR. Dana, qu'est-ce qu'elle nous fait, Dana? Bon, c'est du classique. Du classique. C'est parti. Il tourne. Hello Sylvain, welcome to the roulette. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. The all winning, another one for you. Players, the winner number is 21 red from the Boston de Zero Sector, second goes in. Bon, comme vous avez pu voir sur l'autre vidéo, c'est vrai que, comme je disais il y a deux minutes, là, vu qu'on ne peut pas mettre des pièces de 50 centimes, bah, s'il y a une méthode qui commence et puis on fait 7-8 tours, on met 80 centimes, ça fait 8 pièces. 8 pièces sur 12-13 numéros. L'autre méthode, elle en met 5 sur sa partie. Automatiquement, ça, il faut du temps pour les poser les pièces. Enfin, il faut surtout du temps pour accepter de... La pose des pièces pour le tapis. Après se les poser, ça c'est pas le problème. Le problème c'est que le tapis ne les prend pas assez rapidement. Donc s'il y avait des possibilités de mettre des 50 centimes, c'est sûr que là on pourrait jouer les trois méthodes en même temps, ça ne poserait pas de problème. Ah, c'est pas un problème de limite de mise, c'est que, d'or je l'ai toujours dit, si on a les deux méthodes qui montent toutes les deux au même moment, c'est clair que on était loin des 5 euros de mise par numéro. Par contre, le tapis lui avait bien du mal. Alors, on aurait fait un tour suivant ou deux tours suivants. On commençait à mettre des 1 euro. Alors là, c'était des 1 euro, c'était tout cas. On avait largement le temps de les mettre. Le tapis, ce serait pas affolé comme ça. Mais vous voyez que même en prenant des risques. Là, moi, j'ai confiance au système. Hein. On était descendu, je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe, il fallait que je regarde. Moi, 70 euros, je crois. On a même déposé sur le tapis 70 euros mis cumulés sur les deux parties, les deux méthodes. C'est tombé quand même, hein. On a quand même pris nos 9 euros et des poussières. Alors, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Moi, je vous conseille quand même de ne jouer qu'une méthode, à moins que vous ayez une balance quand même. Alors, si vous n'avez que 100 euros sous la balance, ne faites peut-être pas ce que j'ai fait. Et après, c'est vous risquez péril. Hein. Je ne vous garantis pas que les deux méthodes vont passer en même temps. Ah, il faut savoir mesurer son risque, hein, de toute façon.
c'est le but du jeu, hein. Donc le jeu, comme je dis, c'est pas un amusement. Moi, je le prends plutôt pour un travail. Hein. Bon, après, vous faites penser ce que vous voulez, mais sachez qu'il faut quand même prendre, faut mesurer vos risques. Hein. Le board reste un outil, la décision vous appartient. Voilà, je vais rajouter d'autres méthodes dans les extraits, dans les autres méthodes là. S'il y a trois méthodes, il ne faudra pas non plus jouer trois méthodes en même temps, jouer l'autoroulette tout en même temps. Il faut faire une session, admettons, avec les croupiers. Après, bah, vous faites une session avec les voisins, après une session avec les bateaux, vous pouvez jouer pendant une heure et demie et puis vous faites vos 30 euros, 40 euros comme ça. Hein. Bon, là, c'est Adair qui part. Bon, deuxième tour. Voilà, c'est pareil, là, il est 21h40, donc il faut pas non plus oublier qu'il y a les maintenances. Actuellement, je ne peux pas jouer la journée, donc je fais ça. Bah, je fais ça le soir, en fait. Voilà, gars, au deuxième tour. 33 black from the tier sector third dozen. Numéro ganador 33 negro de la tercera docena. Bon, c'est pas une fortune, 1,06€. Mais vous pouvez toujours mettre un euro de mise mini, mais le problème c'est que vous serez vite à 5€ de mise sur le plat, hein, automatiquement. Alors on va partir pour 10, hein, vu l'heure, comme je viens de dire. Je ferai une vidéo plus conséquente avec tout l'arsenal du système. Bon, ça sera peut-être une vidéo de 3 heures. Ça vous permettra, pour ceux qui sont propriétaires du système, d'avoir un peu les différentes manières de jouer et les différentes stratégies à utiliser. Là, on part sous la V2, puisqu'il y a le 0. Quoique l'ADR peut y avoir le 0, j'en sais rien après tout. Alors là, on part sur sa méthode, enfin, une de ces deux méthodes, puisque Dana a deux méthodes, la V2 ou la SP1. La V1, la SP3, la SP2, pardon, c'est pas la peine. Pas pourquoi je dis 3 d'ailleurs, la SP2, c'est pas la peine. Bon, on peut mettre tout. Bon, c'est pas toujours le cas, hein. Vous avez vu hier ou avant-hier, que les vidéos, j'en fais pas tous les jours. Il faut quand même faire une petite préparation après. Hello Griffy, welcome to the relay table. Last bets. Toto, welcome back. Come to the relay table. Alors certains croupiers, ça va aller très vite. Vous allez faire 4-5 parties une derrière l'autre, ça va tomber au premier, deuxième tour. Donc en 10 minutes, bah, vous aurez vos 10 euros.
Donc si vous restez les 20-25 minutes de ce croupier, vous allez vous faire vos 20 euros tranquille. Hein. Si vous jouez la dure en même temps, ça peut multiplier. Puisque là, le croupier qui tombe au premier deuxième tour, les méthodes ne vont jamais monter comme c'est monté sur la vidéo précédente. Hein. 26 Black Front, there was on the zero sector, third dozen. Numero ganador 26, name voilà, of the last one. Felicidades a todos los ganadores. Congratulations to the winners, pleasure, your best. Hello TG, welcome to the relationship. Voilà, la DER part aussi. Sur une prochaine mise à jour, vous aurez simplement, je ne sais pas, je l'ai déjà dit d'ailleurs, envers les croupiers pour lesquels bah, ça bouge pas depuis plusieurs mois, hein, on est sûr. Pareil pour l'ADR, il y a des croupiers qui sont immuables, hein, leurs tirages sont immuables. On peut toujours les jouer, ça tombe tout le temps. Donc ça vous permettra de choisir. Je mettrai peut-être deux couleurs différentes pour les deux méthodes. Celle qui marche vraiment tout le temps, elle sera en vert. Et l'autre qui marche moins bien, ou qu'on a un peu plus de mal, ça passe au 8e, 9e tour. Je la passerai en rouge, je sais pas. Je tâcherai de faire un code de couleur identique pour les deux. Pour les méthodes V1, autoroulette et l'ADR. On a gagné au premier tour les deux en même temps. On a 8,8 €. C'est très bien. Voilà, donc les modifs que je ferai bientôt. Et j'ai deux méthodes à rajouter là que deux joueurs m'ont envoyé. Donc tout le monde va en profiter. Il y en a une, c'est Sylvain, et l'autre, c'est Roger. Voilà. Donc elles sont rajoutées prochainement. En essayant que ça ne se chevauche pas, puisque le but c'est de pouvoir jouer toutes ces méthodes en cadeau sur tous les casinos proposés. Quelqu'un qui prend Riva, admettons, qui puisse profiter des méthodes aussi. Donc il y a un petit peu de réflexion quand même derrière. Donc on repart sur la V2, pour Dana toujours, qui est 47. On part sur l'ADER. On voit bien que le tapis a du mal à réagir. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de pièces dessus. Hein. Good luck, everyone. No more bets. PJ is real. Thank you. On a un décalage entre la vidéo et le son, puisqu'on entend parler, mais on ne voit pas la bouche bouger. Hein. Donc ça va partir sur le deuxième tour. High number again, players, and hot. Hot. 29 black front, there was on the zero sector, third dozen. Numero ganador, 29 negro, la tercera docena. Felicidades a los ganadores. Congratulations to the winners, place your new bets, please. Welcome, Norm. Sur la DR. And all my. Donc on continue sur la V2. Donc il est 49, je vais arrêter la DR. On va laisser tourner la V2. Jusqu'à ce que mort s'en suive. No more bets. Good luck. Winnie, welcome back. Il y a toujours un beau décalage vidéo. Hein. Ah,
je sais que j'ai pas une connexion internet formidable, mais enfin ça n'a rien à voir. Quand ils font leur maintenance vidéo, c'est pour pourrir non plus. Voilà, donc ça y est, ADUG est vendu. Voilà, 12,40€ en 35, ouais, ça fait un quart d'heure. Donc voilà, vous pouvez constater quand même que. Voilà, donc ADUG est vendu. Alors, je ne sais pas, ma vidéo s'est arrêtée. Donc, je ne sais pas, la vidéo s'est arrêtée. Ça lui arrive. ADUG est vendu. Ça a l'air de tourner. Je ne sais pas. Donc, voilà, nos 12,40€ en 10 minutes. D'ailleurs, je vais faire une copie d'écran parce que. Copie d'écran que je vais mettre là. My birthday number, players, the winner is call voilà, number and low 14 red from the orphaning sector. Fin de la vidéo. Número ganador 14 roja de la segunda docena. Felicidades a todos los ganadores. Congratulations to the winners. Bless your new best friends.